Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, dans le feu de son esprit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle au combat pour la justice, au refus d'être violent, bienheureux êtes-vous. Si l'Église vous appelle à l'amour de tous les hommes, au respect du plus petit, bienheureux êtes-vous. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Sœurs et frères, paix et joie. Je ne viens pas vous faire une homélie aujourd'hui. Je viens plutôt vous annoncer l'espérance. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Notre vraie patrie, c'est le ciel. L'Église est le peuple de Dieu en marche. En marche vers la nouvelle Jérusalem, en route vers le royaume que nous espérons tous, dont nous avons pris l'avant-goût en méditant la vie même de Jésus. Et depuis 3 ans, nous faisons route ensemble à travers le processus synodal. Voir Dieu être semblable à lui résume l'espérance chrétienne. Et c'est donc tout le sens de la célébration de la Toussaint, un appel universel à la sainteté. Célébrer la foule immense dont parle l'Apocalypse de Jean, cette foultitude de témoins revêt un caractère particulier. Cette célébration vient nous rappeler les eaux du baptême dans lesquelles nous sommes purifiés, incorporés au Christ et devenus amis de Dieu, partageant désormais sa vie intime. Le jour de notre baptême, nous avons été marqués du sceau de l'Esprit, grâce auquel l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Romains 5:5. C'est au nom de ce baptême que nous sommes appelés à répondre à cet appel à la sainteté qui nous est lancé d'abord dans l'ancienne alliance. Soyez saints, car moi, Yahvé votre Dieu, je suis saint. Lévitique 19, le verset 2. Ensuite, dans la nouvelle alliance avec Jésus, vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu 5, verset 48, Luc 6, 36. Enfin, cet appel se renouvelle chaque jour dans l'Évangile. La vocation à la sainteté résonne dans nos cœurs aujourd'hui par le truchement des textes qui sont soumis à notre méditation dans la liturgie. Jésus, porteur d'espoir et d'espérance, est celui qui est venu redonner le goût de vivre aux petites gens, à tous ceux qui sont désespérés, désemparés. L'Esprit de Dieu est sur moi, il m'a consacré par l'onction. L'énoncé de sa mission laisse à découvert un regain d'espérance. L'évangile que nous venons d'entendre constitue un trésor caché qui vient de nous être dévoilé, celui des béatitudes. Les 8 béatitudes que rapporte l'évangéliste Saint Matthieu sont le résumé de l'évangile, la charte de la vie chrétienne. Ces béatitudes seront nos juges dans notre grand rendez-vous avec le Seigneur, quand nous serons face à face avec lui. Celle-ci nous invite à avoir un témoignage éloquent dans la fidélité au Seigneur, convaincu dans la foi au Christ, en nous considérant comme témoins d'amour et d'espérance. Nous devons toujours nous efforcer d'incarner l'esprit des béatitudes dans une grande humilité et avec un esprit de foi remarquable, tout en élevant notre charité à la dimension du don de soi de Christ. Eh bien, c'est d'abord une mise en garde contre l'orgueil, la violence, l'affliction, l'injustice, l'indifférence, l'impureté, la guerre et la persécution. Alors il faut opposer à tout ça la pauvreté du cœur, la douceur, l'humilité, la consolation, la justice, la miséricorde, la pureté du cœur, la paix, le bonheur du royaume. C'est un appel à être généreux, à avoir soif du royaume, à être sensible à la cause des opprimés, à être désassoiffé de paix, vivre dans la patience, la tendresse de Dieu, éviter la fausse culpabilité, l'avidité, l'égoïsme, la volonté de puissance. Aujourd'hui, nous faisons mémoire de ceux et celles qui nous ont précédés et qui ont vécu à la lumière des béatitudes. C'est important, nous ne faisons pas table rase du passé.
montant sur les épaules des saints, connus et inconnus, pour voir plus loin, pour voir la réalité spirituelle, pour connaître Dieu. Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés, chacun d'entre nous, par la fête de la Toussaint, à rentrer dans l'espérance, à découvrir qu'il y a quelque chose de plus grand qui se joue dans notre vie qu'une simple réalité humaine, matérielle, tangible, économique ou politique. Croyant que se joue dans notre vie dès aujourd'hui le face-à-face avec Dieu. Mais pour que ce face-à-face avec Dieu puisse trouver forme, creuser en nous une demande, il y a les béatitudes. La plupart sont au futur, deux sont par contre au présent. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. L'orgueil, l'autosuffisance constituent des entraves à notre cheminement vers le royaume. Nous devons ouvrir les horizons de notre cœur et embrasser la pauvreté d'esprit que le Christ a su faire montre. Savoir que Dieu est notre tout et sans lui nous ne pouvons rien faire. Le combat pour la justice est devenu un combat presque sans issue. Dans un monde où la guerre est plus évidente que la paix, où vraiment la haine est plus populaire que l'amour, où détruire est plus facile que construire, les opprimés perdent espoir. Nous vivons dans un pays où la justice est dans l'intention, où nous peinons à rendre compte de nos actes. Si nous y échappons sur cette terre, ne nous réjouissons pas car nos actes seront nos juges. L'appel à la sainteté doit nous pousser à l'action. Elle nous pousse à avoir une profonde confiance en notre réalité humaine, en notre monde aussi. Ce n'est pas le mal qui aura le dernier mot, c'est la parole de Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui aura le dernier mot. Au cours de l'Eucharistie de ce jour et toute cette journée, prions pour nous-mêmes. Que le Seigneur nous aide à rester fidèles à notre baptême et qu'il ranime en nos cœurs l'espérance de l'héritage de la vie sans fin dans son royaume quand son Fils Jésus sera tout en tous, alors nous le verrons face à face avec tous les saints. Amen.